Salut à tous, salut à toutes, c'est Greyfox, je suis avec Garnik, l'homme à l'épée des enfers, le Nightbringer, j'ai la même. Tout à fait, salut Garnik. Salut Greyfox, tout de chevalier vêtu. Et tout à fait, moi je suis de tout vêtu sauf mes petits petons. Est-ce que tu veux des petites bottines? T'as pas des petites bottines à me prêter par hasard? J'ai regardé, tiens, il y avait un coffre ici, j'en ai peut-être. C'est quoi ce début d'épisode pourri? C'est quoi ce début d'épisode où on s'échange nos fringues? Tiens, je t'ai lancé des bottines, je t'ai lancé des bottines. Oh, des bottines, merci! Alors, on faut trouver où elles sont. Elles sont là. Ah ouais, elles sont mortes dans 3 secondes aussi, pas grave. Ouais. Ah, bien. Et nous sommes là pour le 5ème épisode sur Wrath of the Fallen. Tu le dis de mieux en mieux. C'est vrai. Je le dis en mode gourminé. Ouais. Pas prestif aussi. Ah, bref. Wrath of the Fallen, la colère de ceux qui sont tombés. Et il en reste plus qu'un normalement. Enfin, il en reste plus beaucoup. Hein, ceux qui sont tombés. Normalement, si on reprend le livre de quête, on était vers la fin. Hein. Alors, livre de quête, on était à la quête 9. Voilà. Vous avez trouvé. Enfin, la quête 8, page 9. Ah, pardon. Vous avez trouvé qu'un vieux temple était caché sous le château. Peut-être devriez-vous. Ok, en gros, il faut y aller et tout faire péter. Yeah. C'est aussi simple que ça. Alors, pour ceux qui m'ont dit que j'ai des petites horloges au niveau de mes équipements, c'est parce que j'ai pas patché mon Minecraft et là, j'ai pas réussi à le repatcher non plus. Donc, bon, tant pis, c'est pas bien grave. Voilà, c'est juste chiant déjà. Donc, Quand tu lances, que t'appuies sur le bouton patch. Et que ça marche, ok, c'est cool, c'est génial. Mais quand ça marche pas et que tu sais pas trop quoi faire, c'est un peu la merde. Bon, comme c'est un peu le dernier épisode, c'est pas le dernier épisode, n'importe quoi. C'est un peu la fin le de la spoil série. Spoil, j'ai réussi à me spoil moi-même. Il s'est spoilé lui-même que c'était la fin. Non, mais c'est parce que j'ai vu page 9 sur 10, du coup, dans ma tête, je me disais c'est bientôt la fin. Ouais, je m'auto-spoil. Je suis banal. Non, il reste une page. Bref, allez. Combat de boss. Unknown, inconnu, l'inconnu. Est-ce que tu es prêt, Garnik? Oui. Allez, c'est parti. Inconnu, habilité, on sait pas. Voilà. Mais t'as cours d'idée. Ça va être ça. Alors attends, ça c'est des bugs de texture, hein, dû au fait que... Il a la tête dure, lui. Ah bah non, c'est un tout pourri, ça. Oula, dégage. Oh putain, pardon. Toi, Garnik. Tu te fais courser, la vieille. Ah, donc il y a des trucs à faire avec ces plaques et ces boutons. Alors moi j'ai pas rien à voir avec de l'acné juvénile. C'est horrible ce que je viens de dire. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça a fait ça? Tu peux essayer d'activer le bouton de l'autre côté? Ah non, je vais mourir. Vas-y, je le retiens pour toi. Vas-y, go activer le bouton de l'autre côté. Non. The Dream World is open, use Altar. C'est quoi Altar? Et The Dream World? C'est où The Dream World? Je suis parti. Wadiou. C'est quoi ça, c'est The Dream World? Tu te fous de ma gueule? Oh, méga lag! Oh, y'a des tours! Moi je dis faut aller vers les tours! Ouais, attends, mais y'a un méga lag! Oui, y'a un méga lag! D'accord, ça c'est The Dream World, donc on s'est fait TP dans un monde! Qu'est-ce que c'est cette histoire? On s'est fait téléporter dans un monde! Oh, des fleurs, Garnik, regarde des fleurs! Des fleurs partout! Je crois que je vais le laisser ici. Hein. Attends, ça se dégomme ça? Ah oh putain, oui, ça se dégomme. Pardon, t'es en dessous, je crois en fait. Il faut toutes les dégommer, c'est un peu comme le. Oui, le. Oui. The Ender. The Dragon. Attendez, messieurs, laissez-moi négocier, laissez-moi sortir mon épée et vous pétez la gueule. Je me casse. Je suis désolé, Garnik, si je casse certaines des fleurs, tu ne m'en voudras pas. Oh, ils sont méchants ceux-là. Tiens, bien fait pour toi. Ouais. Tu sais ce qu'a le Tony, Garni Coco Cliquant. Ah mon dieu, ce type est horrible. Allez, prends des dégâts, je suis désolé, on a des lags de la mort qui tuent, c'est moi qui host la map. Allez, tu sais quoi, meurs. Non, t'apprends pas, pousse-moi pas. Alors qu'un bout de map n'est pas chargé, et que l'ami Garnik se fait violenter par des squelettes, des zombies. Oh putain, ceux-là ils m'ont grillé. T'es où, Garnik? Je suis en train d'en dégommer une autre. Ah, une autre machin? Ouais. Bah, tu prends ton arc et tes flèches? Oui, c'est fait. C'est fait, mais je me faisais un peu malmener. Ceux-là sont très, très, très balèzes.
Alors j'ai strictement rien compris au boss, hein. On s'est fait taper, j'ai appuyé sur un bouton. Et l'altar, c'était le truc en face où tu me demandais d'aller justement. C'est quoi l'altar? L'altar, c'est une espèce de truc de pas de truc de sacrifice, mais ouais, je sais pas trop par quoi on pourrait traduire ça. Y a ça dans Terraria. BX pourrait nous le dire peut-être. D'accord. Ouais, mais bon. Ok. Oh, j'ai aggro les mauvaises personnes. J'ai fait des copains. Tu sais, c'est les racailles du paradis. Vas-y, qu'est-ce que tu viens dans notre paradis? C'est du bizutage, tu vois. Tu viens d'arriver au paradis, ouais. On te casse la gueule. C'est trop ça. Bienvenue au paradis. Pou, 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 pou. Garnick, tu as une flèche dans le dos, une flèche dans le dans la nuque. Ça va, c'est pas grave. Tu remarqueras que j'ai dit la nuque. Oui, je sais. Pas la... Hein, d'accord, tous les cristals corrompus ont été détruits. Du coup, on se fait TP. Toujours pas de boss. Ah, d'accord, en fait, on s'est fait TP dans le monde qui correspondait au. Ah, ce truc-là. Casse-toi! Ah, fuir. Je l'ai pas vu venir. Oh mon dieu. Garnick, Je vais mourir. J'ai encore perdu mon skin dans la bataille? Ouais. Tout le gars perd sa peau dans la bataille. C'est une bataille de balade. Bon, je te laisse t'amuser. Je vais voir ce que ça fait ça. Ah, casse-toi. En fait, ça va parce que ta tronche sans skin, c'est un peu ressemblant. The Nightmare World. Ah, d'accord. En fait, on était allé dans le paradis. T'avais activé le paradis en allant là-bas. Ouais, et là, on active le Nightmare. Wow, moi, il est complètement bugué. Et là, on s'est TP dans le Nightmare. D'accord, ok, c'est parti. Traîne pas, Grifox. Ah, il y a des ghasts. Comment je fais, bombarder? Oh yeah! Je l'ai trop bien vu celui-là. J'en ai eu deux d'un coup. Enfin, deux... Ah non, non, pas ça, je suis en feu, mais la texture elle bug. Cours! Cours! Cours pour ta vie, mais. Regardez! Je les confonds! Y'a trop de boulets dans mon équipe! Oh, y'en a qui est tout en haut! Casse-toi le gars! Oh là là, je sais pas si j'arriverai à l'atteindre. Alors je cours. Ça bouge de partout, mes amis! Je le tente! Pourquoi quand y'a de la tension, c'est des sons de fort qui arrivent? Yes Patrick, tu disais oui Patrick, nous nous faisons bombarder Patrick, c'est terrible. Yes Patrick a wasted the new god, bombarded, yes I know. J'entends des trucs péter mais je sais pas si c'est ça. Tu vas mourir salopard. Yes Patrick, je disais que... Mon dieu, Vic c'est le gars qui est en train de se battre dans les enfers, faut que j'arrête de les confondre ces deux là. S'il te plaît. C'est une asuite. Je suis majeur moi. Alors, oh non, mais il y a trop d'ennemis là, c'est impossible. Je le fais partout. Dealer, mais non, je suis à Ninja. Référence. C'est n'importe quoi, c'est un pare-feu géant et je crois qu'on est les meilleurs gastro. Hey, t'en as des combien, GG? Bah, j'essaie de tomber avec mal, mais là, c'est pas évident. Oh. J'ai plus sa moustache de près au machin. J'en tiens ma respiration, là, c'est bon. Allez, chargez-vous. Je l'ai eu, c'est pas où. Tu l'as où? Je l'ai où? Non. Normalement, on se refait TP. Voilà. Garnick qui brûle. Garnick qui lui torse le pantalon. Quoi non? I like it picante. Ah oui, t'as perdu tout ton stuff, hein. Ah. En train de me rhabiller. Mais cassez-vous! Pour faire quoi maintenant? T'as eu un. Est-ce que t'as eu un disque? Non. J'ai même pas trouvé de machin moi. Vite du stuff. Hop là. Ah Ils font super mal. Heureusement qu'on apparaît un peu n'importe comment. Ce sont les ennemis les plus méchants. The Dream World. Ah ok, faut aller dans The Dream World. Encore? Encore dreamé. Mais on s'est pas fait TP, je comprends pas. Non, faut appuyer sur le bouton. Ah c'est ça le altar. Oui. Ils auraient pas pu appeler ça le téléporteur? C'est pour trouver l'ennemi. C'est bon, j'appuie. Ah, yeah. Ça y est, donc on est retourné. Je suis passé à travers le sol, moi, hein, Big. Dans une moitié de Dream World, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouyo, il y a un Wither. Oh non. Oh non. Ah, d'accord, il y a plein de nouvelles plateformes maintenant. Ok, je te laisse t'occuper du Wither, moi je vais déjà. Je sais pas tirer, moi. Il te suit en plus, le Wither. Non, pourquoi moi? Ah, mon dieu! Cette map est juste géniale.
Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ben, j'adore. Je suis juste en admiration quoi. C'est super bien fait. Ça depuis l'arrivée des command blocks c'est... Ah oui, ça nous a vraiment rajouté du bien dans les maps. Garnick qui tombe à 9 foudres. Oula, faut que ça se charge hein, chez moi hein. Parce que là je vois des petits bouts de redstone, ça nique un peu, enfin pardon, ça cache un peu le RP. Oh, gros mot, il a dit un gros mot. Ah GG, on a tout détruit. Alors maintenant on lui fait la fête au... Ah non même pas, on s'est refait TP. Là je crois que le wizard était juste là pour nous emmerder. Le wizard était là pour nous accompagner. Bonsoir messieurs. Bienvenue votre au défi. Paradis. Bienvenue au paradis, j'aimerais vous... Ça veut dire qu'après là on va repartir en enfer avec un wizard. Non, c'est à dire que quand on va aller dans le monde des enfers, ça sera un énorme bisounours qui va nous jeter des cœurs. Ça va être ça, parce qu'apparemment dans le paradis on se tape un wizard. C'est horrible. J'entends le bruit du café. Pardon. Ah, beau petit. Ah, ça y est, The Nightmare World. Ah, laisse-moi appuyer sur le bouton. C'est bon. Oh, je l'ai défoncé. Alors là, on est dans la merde. Voilà, c'est un. Non, c'est encore un wizard. Oh, je suis déçu. Je m'attendais à un bisounours géant. C'est bon, cette tour là c'est bon. Ah, j'ai essayé. Il reste que la grande et les deux sur le côté. C'est bon, cassez-vous. Je l'ai eu. T'as eu la grande? Non, j'ai eu. Une d'accord, petite au loin. Ouais, t'as eu une des deux sur le côté. Oh yes, j'ai eu la grande. J'ai eu l'autre petite. Eh bah, c'est bon, on a GG. Eh bah, tu sais quoi, on devient bon à l'arcane tout doucement. Ouais. De rien. Alors, et là, toujours cette personne inconnue dit: j'ai un cadeau pour vous. Mais qu'est-ce donc? C'est quoi? Ah, la porte est ouverte! C'est ouvert là-bas! Oh mon dieu! Je veux mon cadeau! Ah, j'ai perdu mon torse! Ce serait pas le Ramsès Creep! Oh ah, mon dieu! Ah mon dieu! C'est gros beau le géant! Gros beau smash smash! Tu l'as! Shoot là! Ça lui fait rien! Il en a rien à foutre! Ça lui fait rien, il est bugué! Ah non, il est pas bugué! C'est quoi ça, hitbox? Tire dans les pieds! Hitbox, là les pieds! Ah, c'est les pieds! Vas-y, je le fume à l'épée. Y'a rien ici, gros tas de merde. Voilà, quand on disait que les command blocks et tout ce qui est modification des monstres pour faire des custom mobs. Eh, viens faire danser avec moi. T'aurais pu t'habiller quand même, t'as à moitié torse nu. Oh putain, j'ai volé. D'accord, y'a des squelettes qui sont venus nous accompagner. Oh, y'a le PC copine. Oh là là, d'accord, ça c'est des... Ah, ceux-là sont stuffés. Vas-y, moi je le bloque dans un coin, je l'allume ce méchant boss. Vous voyez à ma droite un jukebox. Dès qu'on le tue, on a son... Ah bah je crois que je l'ai passé, il vient de m'abandonner. On a son slip bien évidemment, insérer un jukebox dans un slip. Oh. Un slip dans un jukebox plutôt. Oui pardon. Dis donc, t'as tes fesses qui font du bruit. C'est n'importe quoi. Censé être un combat épique contre un géant, il parle de mettre de la musique dans ses... dans ces parties musicales. Musicales tout à fait. C'est vrai qu'on peut... Enfin non, je vais pas partir dans... C'est vrai qu'on peut faire de la musique avec... Non, c'était pour pas dire génital. Tu dis musical. Oui. Comme tu comprends rien, j'étais obligé de le dire. Ouais, c'est surtout que je veux éviter les vannes de ce genre, mais bon. C'est une chaîne sérieuse ici, monsieur. À distance. Alors ta chaîne peut-être, la mienne je ne pense pas. Parce que ça fait longtemps qu'elle ne l'est plus. Allez la mort, Globo, Grobo, là j'ai dû oublier son prénom. Attends, je vais voir comment il s'appelle. Grobo. 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 C'est exactement ça, c'est un espèce d'orc, pardon. Je confonds toujours. C'est pas plutôt un troll? Parce que non, là c'est un très si, grand pardon. Orc. Non, c'est un troll. Les trolls sont très très grands et les orcs sont un peu plus grands que les humains, mais pas spécialement plus. Pas ouais, mais ils puent en fait. Ouais, voilà, c'est ça surtout. On va dire non, les trolls, les orcs. Ah merde, je confonds maintenant. Bon, bref. Tout ce beau monde pue et en général, c'est pas les gentils. J'ai un gros beau. un gros beau. Ah, gros. Apparemment, il fait peur au pop ses amis, donc je pense qu'on peut déconner. Tuer le squelette, ouais. Alors, ça, c'est un squelette. Wouah! Oh, nice! Je crois qu'il a battu le record de distance d'allumage là. T'as vu, il envoie super loin celui-là, il fait méga mal.
Wouah! Envole-moi! On peut pas le tuer! On peut pas le tuer! J'ai eu le Shadow ou alors... 7. Yeah. Ou alors que avec des flèches. Garnick. Ah, si, ouais, ça passe avec ça. Des flèches en fait. C'est un pantalon du Shadow 7. Oh yes, il manque plus que des chaussures et je suis tout Shadow. T'es tout Shadow, t'es trop dark. C'est trop dark, hein. Alors, normalement, t'as eu un... Ouais, je l'ai eu. Un disque. Il est mort, sur ta gauche. Oh purée. Ouais, y'en a un derrière toi, y'en a un derrière toi, Grey Fox. Ouais, mais j'arrive pas à le taper, celui-là. Mais c'est bon, je le tape, je le tape. On va te faire l'autre. C'est bon, lui est mort. Il est ah, par contre, avec l'armure que j'ai maintenant, j'encaisse vraiment pas mal. Ouais, hop. Ça, c'est bon. Il y a la voix inconnue qui nous dit « Qu'avez-vous fait ?» Vous allez prendre cher. Oh mon dieu. On a même pas eu de gold nuggets. To be cool. À suivre. Merci d'avoir joué World of Fallen. Oui, assurez-vous de les suivre à Epixel sur sa chaîne YouTube. Je vous invite tous à aller la voir. Excellente chaîne YouTube. Vous avez la présentation de ses maps et tout ça, tout ça. Attends, ça c'est la quête 9. Ouais. Que nous dit la quête 10? Il y en a pas, hein, c'est quête 9, c'est la page 10. La première page, c'est une présentation. Bah, fuck. Aïe aïe. Et alors, si on va là, normalement, on est re-TP au début. Ou pas. Non, non, quand on a atterri sur le plaque de pression, et ça a fait apparaître le To Be Continued. Ah oui, c'est vrai, d'accord, ça déclenche le truc. Bon. Eh bah, c'est plutôt pas mal. Tu peux pas me pousser, hein. Oui, tu peux pas me pousser, hein. Oh non, 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 oh non, non, non. Alors, je suis dégoûté, bon, il manquait plus qu'à avoir les chaussures en shadow, puis j'avais tout shadow. Oh là là, et comme par hasard, j'ai ça à la fin. Cette Paris Hilton, je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Bon, tu peux enlever ton casque. Hein. Ah non, en fait, remue-le vu que t'as pas ton skin, ça fait très moche. Voilà. Bah, même en fait, t'as rien. Ouais, t'as non plus, t'as pas ton skin. Fait... On dirait un chinois. Alors, oui, merci. Non, je vais pas commencer. Je remets mon casque et je la ferme. Je vous remercie d'avoir regardé. Cette mini-série sur cette excellente map. Ah, vraiment excellente, hein, franchement. Wars of the Fallen. Voilà, les command blocks utilisés au mieux. Une histoire vachement sympa. Voilà, j'espère qu'il y aura une suite, apparemment. Exactement. Expected, tout à fait. Moi, j'attends cette suite avec impatience. Surtout, surtout pour vous, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est l'histoire principale. On n'a pas cherché tant que ça. Tandis que Garnick fait du breakdance. Breakdance. Et c'est là que je le vois tomber, tu sais. Bref, sachez que nous on a fait que l'histoire principale. Il reste normalement. Quel boulet ce mec! Il reste normalement. Ah, si tu veux, tu peux tout faire péter, Garnick. Non, non, pour une fois, je vais être respectueux du travail de Hypixel. D'accord. J'ai reçu quelques procès en fait, c'est ça le truc. Ah, oui, c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes. Bref. Nous on a fait l'histoire principale, vous pouvez vous refaire la map, je pense que vous l'avez déjà tous fait. Cette map, sachez qu'il y a deux boss, il y a deux mini-boss et il y a des objets cachés, il y a des quêtes. Non, il n'y a pas de quêtes secondaires, chaque fois je pense qu'il y a des quêtes secondaires, mais bon. Voilà, Epixel, si tu nous entends, des quêtes secondaires, ça serait juste génial. Un deuxième bouquin avec des quêtes secondaires ou des quêtes secondaires pendant les quêtes principales. À la manière des RPG, pendant que je me fais bombarder de flèches. Ah, tu veux des flèches? Infinity. Tu veux des flèches? Je veux boire une potion de force. Non, ça c'est une potion de soin. J'ai pas de potion de force. T'as de la chance, parce que je te fais une poutaille à la gueule. Bref, merci Garnick, merci à vous. Et à la prochaine. Salut, salut.